Yo les potes, comment allez-vous? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Ops 3. Et je suis en solo, je ne suis pas en compagnie de Matt, je fais cette vidéo assez tard, il est exactement 2h du matin. Donc on est le vendredi 6 juin, enfin le samedi 7 mai plutôt, je sais pas pourquoi je suis en à juin. Donc on est le vendredi 7 mai, donc il est exactement 2h du matin. Donc je vous fais cette petite vidéo, donc je vais faire un pack opening spécial nouvelle mise à jour. Parce que quand vous aurez vu cette vidéo, à mon avis, vous serez rendu compte de ce qui s'est passé. En fait, pour tous ceux, enfin, pour tous les détenteurs de Season Pass, on a quelque chose d'offert. Ils ont enfin écouté la communauté en disant que Season Pass uniquement avoir des cartes et des nouvelles armes de temps en temps. Sur ce jeu, on n'en a pas encore eu offerte. Ça devenait assez cher de balancer 50 balles comme ça pour uniquement des cartes en plus multijoueurs et zombies. Donc on va aller voir tout de suite un petit peu ce qui se passe. Donc, tout ça se passe dans le marché noir. Donc comme vous pouvez voir, il y a déjà deux cases en plus. Donc il y a des récompenses. Donc, pour tous les détenteurs de Season Pass, on a 10 ravitaillements rares offerts et un pot de vin. Alors les ravitaillements rares, donc, chacun garantit un objet rare avec une chance accrue d'obtenir un objet légendaire ou épique. Et inclut des clés de critable bonus, le truc basique. Et le pot de vin, c'est garantir à au moins une arme inclue, enfin, au moins une arme qui est arrivée après. Donc en espérant qu'ils ne vont pas me donner une arme que j'ai déjà eu, ça me foutra un peu les boules. Et il y a surtout plusieurs types d'armes, on va aller voir ça tout de suite, qui ont été ajoutées. Donc on peut voir. Donc, il y a un nouveau, voilà, il y a un nouveau fusil d'assaut dont vous l'aurez tous reconnu, tous les joueurs de Call of Duty l'auront reconnu, c'est le FAMAS. Donc le nom je ne le connais pas encore, il me semble que c'est le FF, enfin le FFAS, ou un truc comme ça. Donc, le FAMAS remasterisé quoi, en espérant qu'il ait les mêmes dégâts que, enfin, les mêmes dégâts que sur BO1, honnêtement c'est une marque utilisée énormément. Donc voilà, donc pour le fusil d'assaut. Ensuite il y a quoi? Ensuite ça se passe dans les armes secondaires. Donc il y a déjà un lanceur. Première fois dans l'histoire de Call of Duty, je pense qu'il y a un lanceur qui est ajouté après un patch. Honnêtement, je sais pas ce qu'il vaut. J'ai vu un gameplay de Skyros et il est totalement. Enfin il a l'air payable, sauf à la juger au corps à corps. Il a l'air, enfin tu tires à juger le mec qui saute après, sur longue distance, il est vraiment merdique. Ensuite, corps à corps. Alors, voilà, il y a deux variantes de couteaux encore, donc d'armes de mêlée. Donc corps à corps, donc il y a une espèce de. On dirait une espèce de sceptre bizarre. Donc. Et une hache. Ça par contre la hache, moi ça me plaît bien. Ça peut être vraiment. Si on peut lancer, ça sera encore mieux. Et c'est tout. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà, comment ça se passe en espérant que ce soit avec moi. Je vais voir si elle est doublée. Acquis récemment. Alors, récemment, j'ai acquis le pied de biche. Donc il manque vraiment pas beaucoup d'armes. Je vais vous remontrer ça. Parce que là, dans le fusil d'assaut, il manque. Ah, celle-là, mitraillette, j'ai déjà la G40 et j'ai l'interdiction. Et en secondaire, j'ai déjà le Marshall qui manque le lanceur du niveau. J'ai quasiment tout, il manque juste les premières armes qu'on a eues, enfin, qui ont été ajoutées en premier au jeu. Donc le papillon, avec la molette, le point américain et les deux nouvelles armes. Donc, ah oui, et en spécial. La Nick Shadow, je l'ai déjà. Donc en espérant qu'il ne m'enfile pas une de ces armes-là, ça serait plutôt cool. Donc on va commencer déjà par ouvrir cela. Allez, hop, c'est parti. Ok. Donc comme d'hab. Paf. Alors, 5 clés. Je suis déjà 36 clés, c'est pas mal. On va bien sûr ouvrir le pot de vin en dernier. On va pas l'ouvrir maintenant. Tac 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 tac.
Donc comme d'hab, des camouflages, des têtes. J'ai vu du jaune tourner. Wow. Voilà, c'est le genre de colis que t'as juste envie de te tuer quand si tu l'achètes. Tout comme ça. Transgression. À mon avis, il y a beaucoup de trucs que je vais déjà avoir. Je suis déjà à 56 fées. Légendaire, celui-là il me semble pas que je l'avais pour avoir vu. Peut-être que. Ah, je suis déjà heureux à deux clés. Enfin, j'ai déjà deux coffres en plus à ouvrir. 6 clés. Bon, j'ai pas eu une arme dans ce coup-là. Oui, il y a un algorithme qui est même pas. De toute façon, ça, moi j'ai eu pas mal de chance, mais il y a un certain. Il a touché 0. Allez hop. Voilà, bon, tac. 82 clés de cryptage. On va aller voir les doublons. Juste un doublon. Bon, je suis à 138, donc c'est ce qui est pas mal. Allez hop, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Celui-là, je l'avais pas. Pour une 8, c'est pas mal. Ouh, il y a un petit bug. Alors, c'est rare que j'ai des réticules de visée. C'est vraiment très rare. Oh, 10 clés de cryptage. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Tac. J'ai plus les clés de cryptage. On va voir si j'ai des doublons. Quand ça va derrière, on a dit, ça va pas m'en déverser. Ouais, pas de 4 clés. Donc, on est arrivé au moment fatidique. Voilà. Allez, priez pour moi. Priez pour moi, je vous en supplie. Allez, fermez les yeux. Je vais appuyer. On brûle. C'est du foutage de gueule, putain. Je voulais au moins avoir la permanence ou un truc comme ça, quoi. Putain, ils abusent. Maman. Ils m'ont redonné le Marshall 16 que j'avais déjà, quoi. Pfff. Oh, ça fout la loose. On va ouvrir un colis. Enfin, j'ai plus que ça, hein. Allez, hop. Le Marshall, ils m'ont donné. Putain, je l'ai dit. J'ai déjà eu au moins 3-4 fois. Il m'en a encore un. Allez hop. Ah, rien. Bon. Je suis vraiment dégoûté pour le dessous de table là. Et pff, ils m'ont redonné le Marshall, c'est vrai. Ok. Ah oui, j'ai aussi un autre point. Avoir avec vous par rapport à la mise à jour qui a été faite. Maintenant, comme vous pouvez voir, on a les contrats. Donc les contrats, pour ceux qui ont connu les anciens Call of Duty, c'était pas mal. En fait, comme vous pouvez voir là, genre par rapport à un total de victoires, si on gagne 75 parties à partir du moment où ce contrat est délivré, il n'y a pas de limite de temps, on aura une récompense garantie en plus. Donc, je pense que cela n'aura rien à voir avec les Season Pass, tout le monde pourra l'avoir. C'est prochainement, on ne l'a pas encore. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Enfin, du moins, moi je ne le sais pas. Donc, j'espère très bientôt parce que j'ai envie d'avoir le petit FAMAS là. J'ai envie de m'amuser avec. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. C'est la récompense. Je reprends la phrase de Sayro, c'est pas grave, on s'en fout. Honnêtement, ça nous fait vraiment du bien à Matt et à moi de voir que les abonnés augmentent de jour en jour. Je vais essayer de se mettre en veille.
Et c'est vraiment un truc de ouf, quoi, parce que là on est à 242, je crois, on est bientôt à 250. Donc un gros merci à vous et un gros big up à tous ceux qui nous suivent sur les lives et tout. Je tiens à remercier Kylian, Yoris, tous les potes qui nous suivent. Je tiens à remercier aussi Seth, qui est un très bon streamer. Il a voulu arrêter là parce qu'il trouvait que c'était un peu trop. Il trouvait que la communauté avait trop changé. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch au cas où qui rebalance un live de ses 4. Il fait gagner des cadeaux souvent. Donc le lien sera dans la description. Sur ce, je vous laisse. Allez, peace les gars.